essai le plus collectif de la deuxième journée est inscrit par le Toulonnais Jamie Robinson lors de la rencontre Toulon Racing Métro 92. Le centre à la conclusion d'un magnifique mouvement collectif initié de la deuxième minute du match, avec une CT de Johnny Wilkinson pour décaler l'international gallois à bout de ligne. Une action qui implique 7 joueurs et dure 30 secondes. A l'origine, une chandelle récupérée dans son camp par Mafileo Kefou. Le Tongien attaque la ligne de défense parisienne avant de libérer pour Matt Eniak. Johnny Wilkinson écarte et Joe Van Linkerk fixe un défenseur avant de décaler Christian Loamanu. Celui que l'on surnomme le Lomu japonais résiste au retour des défenseurs et crée un point de fixation. Première sautée de Eniak pour Joe Elabd. L'Anglais feinte la passe et prend le centre. Il est repris de justesse par Jacques Cronieux. Eniak éjecte rapidement pour Wilkinson qui crée le décalage décisif pour Jamie Robinson. Après chaque journée du rugby top 14 orange, retrouvez la vidéo du plus bel essai sur www.trophée-des-fondations-finition.fr et tous les mois sur Orange Sport Info et votez du 7 au 13 octobre pour élire l'essai le plus collectif.